de la mairie de Douala 2e au soir du 9 février prochain, vous feriez quoi pour les populations qui vous ont voté? Tout ce que je ferais à ma population, c'est de rendre d'abord la ville très belle et propre, parce qu'elle est très belle et simple. Vous comprenez? Rendre la ville de Nebes propre. Ça dit quoi? C'est de faire construire des routes, des marchés. Voir aussi les problèmes des gens qui dorment, des sans-abri. Et aussi voir des problèmes de. Comment on peut résoudre le problème deuxième, de l'estage. Il y a ce problème à Nebel. Voir aussi le problème des hôpitaux. Parce qu'il y a un problème des hôpitaux à Nebel. Et voir aussi le problème de la prison qui est tout juste au cœur de Nebel. Je ferai tout pour qu'on la déplace dans le centre de Nebel, parce que ça fait longtemps que c'est là et là. Il y a aussi le problème de. Il y a aussi le problème d'habitation. Parce qu'à Douala, deuxième, il y a encore des maisons en carabot. Nous sommes en ville, on ne sommes plus au village. Qu'est-ce que vous feriez de ça? Là, c'est d'appeler les propriétaires de la maison, de carabot, et ceux qui ont des terrains non conçus. D'aller vers eux, de négocier pour que la mairie mette les moyens pour construire, par exemple, une personne qui a 500 mètres carrés, on construit en 5 niveaux. Sur les 5 niveaux, le propriétaire de terrain profite, on lui donne 2 niveaux, la mairie reste avec 3 niveaux. Le propriétaire de la maison peut rester avec la famille à un niveau, peut-être louer d'autres, et la mairie aussi mettrait les 3 niveaux-là en location, à un taux très très bas. Vous comprenez? Et il y aura aussi question qu'il faudra qu'on conçue des marchés pour mettre les coûts trop, très bas. Vous savez qu'à ce moment-ci, le marché, comme il y a ce qu'on appelle décentralisation, le marché central reviendra à la charge de mairie de Douala deuxième. Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà. Et là, pour gérer le marché, il faudra la moderniser, mettre des boutiques, puisque nous sommes le pays, rien ne marche, baisser le prix, le taux de location des boutiques. Et avant, quand on fréquentait, nous partions à l'école, au moment d'Aïdjo, il y avait la question de qu'on nous donnait à l'école primaire les premiers soins gratuits comme la Nivaki, et faire de population de Douala deuxième, les premiers soins, c'est-à-dire donner la Nivakine une à deux fois par an gratuitement. Et faire aussi pulvériser les insecticides dans tous les quartiers au moins une fois par an, par mois. Désinsectiser, c'est ça? Oui, pulvériser les insecticides, puisqu'il y a trop de moustiques. Et c'est les moustiques-là qui nous donne ce qu'on appelle le paludisme. Et le paludisme tue au moins 3 à 4 millions de la population par an sur Terre. Vous comprenez? Il y a aussi le problème de créer des emplois. C'est-à-dire, dans les 33 quartiers de Nebel, chaque quartier a ses problèmes. Et visiter. Quand on dit Nobel, vous voulez non, parler non, de Douala deuxième. Voilà. Douala deuxième à 33 quartiers. Oui. Et visiter chaque quartier pour résoudre le problème, cas par cas. Puisque tout récemment, samedi passé, mon lancement de meeting était à Newton Aéroport. Ils m'ont dit les problèmes. Je l'ai noté. Et être aussi en contact permanent avec la population, connaître les problèmes. Parce que ça ne vaut pas la peine de rester au bureau pour donner le commandement pour rien. Moi, je suis l'homme de terrain,
je suis un ancien d'église, je connais les problèmes des gens, je dialogue avec les gens. Et dans mon église, je suis le responsable de diaconie. Je dialogue parce qu'il y a des fois que je fais le tour dans les quartiers à Douala Deuxième pour dialoguer avec la population. À nos jours, on ne peut pas être un maire de bureau. On veut des maires qui vont dialoguer avec la population. Et pour avoir ce genre de maire, il faut voter le Front Uni du Cameroun, le parti qu'il vous faut, le parti de monsieur, je suis un peu pas le... Allez-y. Vous faites la main. Pardon. Non, allez-y. Allez-y. Voilà. De dialoguer avec ma population pour qu'ils nous disent au moins ce qu'ils veulent. Il ne faudra pas être maire. Par exemple, je suis sur le plateau. Ça me fait la honte pour revenir que le maire sortant n'est pas là. Ça peut être mieux qu'il soit là. Parce que l'adjoint de maire n'est pas content de son maire. Et je ne comprends pas. Moi, des choses comme ça, s'il arrive que demain, que c'est le parti de Front Uni du Cameroun qui est sur le terrain, chaque maire aura, c'est-à-dire le maire principal, il y aura un maire principal et les adjoints, chacun aura sa part de contribution. C'est-à-dire sa part de tâche. Je ne pourrais pas accepter garder le pouvoir dans le Front Uni du Cameroun seul. Parce que l'union fait la force déjà. Douala Deuxième, je peux vous dire que c'est le cœur du Cameroun. Vous savez que l'aéroport international de Douala est dans Douala Deuxième. Newton, et rendre Newton comme un petit Paris, parce que Newton, quand on descend de l'avion, tous les regards de nos étrangers est fixé à Newton. Normalement, l'agent humain vient de dire qu'il y a une inondation souvent là. Et ce qu'il dit, il ne ment pas. Il y a souvent l'inondation à Newton, aéroport. L'entrée de quartier là, ce n'est pas facile. Et les gens souffrent, c'est pour ça que avec l'inondation, qu'ils mettent peut-être des jours et des jours, ça donne beaucoup de maladies aux habitants. Et fait conçu aussi ce qu'on appelle les hôpitaux communaux. Fait conçu aussi les stades communaux. Parce qu'il nous manque, ça manque à Nobel, les stades communaux. Il faudrait ça à Nobel. Et qu'on fait conçu aussi les centres de loisirs à Nobel. Et rendre les populations de Nobel à l'aise. À l'aise, ça veut dire entrer dans le quartier et faire développer le quartier, la population avec le main ensemble, faire la même personne pour construire les routes dans le quartier. Et tout ce que je veux vous dire, c'est réel. Je ne suis pas là peut-être parce que c'est la campagne. Je suis là pour dire la vérité. Parce que même dans mon église, les gens savent que je ne mange jamais. Tout ce que je peux dire aux Camerounais, les habitants de Nobel, Douala Deuxième, de penser à voter le bulletin de Front Uni du Cameroun, le parti de cœur, le parti d'un homme humain. Je ne peux pas, nous on ne donne pas la boisson pour qu'on nous vote, ou bien le sarderie, ou bien la sardine. Voilà. Ceux qui veulent qu'on suit Nobel, ceux-là peuvent venir vers nous pour qu'on la fasse ensemble. FIC, victoire. FIC, victoire. FIC, victoire pour le 9 février 2020. Merci. Merci, Jean Diogard.